le résumé de la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quelques bienséances. Il disait, 10 choses font partie de la fitra, la nature originelle. Se tailler la moustache, se laisser pousser la barbe, le siwak, aspirer et rejeter l'eau par le nez lors des ablutions, se couper les ongles, se laver les phalanges, s'épiler les aisselles, se raser le pubis, économiser l'eau. Le rapporteur a oublié la 10e. Il commençait toujours par la droite. Il aimait commencer par la droite en mettant ses sandales, en se coiffant, en faisant les ablutions, en prenant, en donnant. Il utilisait sa main droite pour manger, boire et se purifier, et sa main gauche pour se nettoyer après ses besoins et enlever d'autres souillures. Sa coiffure. Soit il se laissait pousser les cheveux, soit il se rasait complètement la tête. Le siwak. Il aimait utiliser le siwak. Il l'utilisait qu'il soit en état de jeûne ou non, au réveil, lors des ablutions, avant la prière, en rentrant chez lui, il utilisait le bois d'arak. Son parfum. Il aimait le parfum et l'utilisait très fréquemment. Sa moustache et sa barbe. Il disait, démarquez-vous des polythéistes, laissez-vous pousser la barbe et taillez-vous la moustache. La durée impartie concernant cela. Anas radiallahu anhu disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de ne pas laisser pousser nos moustaches et nos ongles sans les couper au-delà de 40 jours.